on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul et unboxing. Ça faisait quand même longtemps, non, on n'est pas d'accord. Ça faisait super longtemps que ça n'avait pas fait. C'est vrai que ces derniers temps, je n'ai pas du tout, enfin quasiment pas craqué sur les sites internet, que ce soit Sephora, Beauty Bay, etc. Vraiment, j'ai assez bien résisté, mais j'ai fait une petite commande sur Sephora que je vais vous montrer dès que je l'aurai reçue, donc j'aurai peut-être pas la même tête. Je vais commencer par unboxer deux box que j'ai reçues et que j'avais pas encore ouvert avec vous, que ce soit en vlog, etc. J'ai pas ouvert avec vous et du coup bah, j'avais envie de le faire parce que vraiment j'ai envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai reçu aussi un petit colis de la marque Cléopâtre et je voulais vous montrer ça, et puis on finira par Dégustabox, puisque j'ai reçu la Dégustabox et j'avais envie de vous partager ça aussi. Donc on verra aussi ma commande Sephora à l'intérieur de cette vidéo, évidemment, et si je reçois des petits colis, bah, je vous montrerai aussi. Déjà, chez Blissim, la box est un peu style crête, un peu style voilà graisse, ça donne trop envie, je trouve. Voilà, ça fait très crête, non? Vous êtes pas d'accord? Un peu ces tons bleu et blanc. Donc c'est Blissim X Popolo. Donc, je ne connais pas Popolo, mais en tout cas le design me donne envie. Elle est assez lourde, donc la Dolce Vita, donc voilà, très italiano, été, tout ça, donc ça donne envie. Et elle est blindée. On a à l'intérieur une petite huile prodigieuse de chez Nuxe, comme ça, un petit format, donc c'est très sympa pour les beaux jours. Et on a avec une petite brosse entre guillemets pour masser, donc de la marque Green Barbes. Donc je pense que ça peut être bien pour masser avec l'huile, ça peut être un bon combo. De la marque Canopée, et une très très belle marque ça, une crème universelle Baobab Inuline Glycérine, certifiée bio. Alors, après avoir nettoyé votre peau, appliquez la crème en léger massage sur l'ensemble du visage et du décolleté. Écoutez, je la connais pas celle-ci, mais pourquoi pas. En tout cas, la Canopée, très très belle marque, donc très contente. On a un Living Conditioner, donc un soin sans rinçage, tout en un, hydratation, de la marque Moroccan Oil. Et ça, je suis trop contente. D'ailleurs, elle est sortie à ma manicure. Je suis trop contente parce que je vais pouvoir l'emmener en vacances. Ça, c'est vraiment le genre de format que j'aime bien emmener en vacances pendant l'été, pour hydrater mes cheveux et tout ça. On a en plus une crème scrub, donc gommante, de chez Rituals, la gamme que je préfère, Ritual of Sakura. Et ça, c'est trop cool. C'est quand même un gros format, hein. On sent pas, mais je sais que cette odeur, je l'adore. C'est tout fermé, tout scellé, donc je vais pas l'ouvrir tout de suite. Et alors, attendez, on a quand même un 125 grammes. Donc, ce qui est un beau format. Vraiment assez épaté. Et le dernier produit, qui est une... Alors, qu'est-ce que c'est donc, ça? Renforce et Illuming Morning Street. Un shampoing pour le quotidien, pour tout type de cheveux. Alors ça va pas être mon délire, mais bon, c'est sympa, hein, pourquoi pas. Donc ça, ça sent super bon. Ça sent l'été. Vraiment, il sent super bon. Écoutez, j'allais dire que j'allais pas le garder, mais pourquoi pas l'emmener aussi en vacances, en miniature pour moi ou mes enfants. On utilise des produits spécifiques pour les boucles et tout, mais de temps en temps en vacances, comme on va à la piscine et tout, on se lave avec des produits un petit peu moins spécifiques. Alors honnêtement, la Blissim, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'attends canon. On va passer maintenant à la Beautiful Box, très sympa, très fleurie. On a à l'intérieur une routine, qu'est-ce qu'on nous dit? Routine pour un teint de pêche et une peau douce, allez, pour les beaux jours. Ça, c'est un thème qui me plaît bien. Toujours des petites cartes pour vous parler un petit peu des produits, comment les utiliser et tout ça. Et je vois qu'on a un très 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 beau produit déjà qui commence là, de chez Carencia, de combien de millilitres? 8 millilitres, donc c'est un beau format, je crois que c'est quasi le format vente. L'appel de la forêt, un sérum double phase éclat jeunesse, booster de vitamine C. Et ça, je l'ai déjà et il faut vraiment que je le mette dans ma routine. Donc il faut l'agiter avant emploi et le mettre, je crois, matin et soir, moi. Alors ils disent, conseil d'utilisation, l'utiliser après vos gommages sous la douche, bien mélanger, mettre à peu près 5 gouttes de sérum et appliquer sur le visage et le cou. Donc ça précise pas si c'est matin et soir, peut-être une fois par semaine, je ne sais pas du tout. Si vous connaissez ce produit d'ailleurs, dites-moi tout dans les commentaires. On a ensuite, pour bien nettoyer son visage, donc c'est pour ça que c'est lié à la routine, pour un teint un peu voilà, illuminé, un teint de pêche, on nous a mis une mousse pêche enzymatique pastel, elle s'appelle, extrait de baby pêche, comme ça. Et on a la petite brosse avec pour pouvoir bien nettoyer son visage, donc ça c'est plutôt cool. Pour avoir un teint et un corps aussi parfait, on a Lumière du désert de la teinte Salwa. C'est un lait corps à lait pour toute carnation. Donc c'est un petit lait, oula, ouais, il est marron, honnêtement il est marron. Et il donnerait un teint à lait comme ça. À tester, hein. J'espère que ça se fond bien dans la peau, hein. Vraiment ça m'intrigue,
Et il nous reste deux petits produits. On a de la même marque, hein, je pense. Ah non, je vous dis des bêtises. Un gommage doux à la mangue qui donne trop envie comme ça. Donc justement, vous pouvez nettoyer votre peau, gommer votre peau, hydrater votre peau. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut dans cette box. Exfoliant peau belle, enfin belle peau plutôt. Et c'est un soin pour le corps, attention, hein, c'est pas pour le visage. Et après, pour avoir une peau sans boutons, on a un petit roll-on anti-imperfection 100% naturel de la marque La Gaz Naturelle. Et ça, c'est très 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 bien. Donc c'est un petit roll-on, vous faites glisser sur vos petits boutons. Et c'est à base, j'imagine, d'huile d'arbre et tout ça. À d'huile d'amande douce bio, enrichie aux trois huiles de lavandin, de romarin et de tea tree. Donc, soin visage contre les irritations, imperfections et boutons. Apaise, assainit et répare. Ça, c'est trop cool. Ça, c'est un indispensable pour moi et ça va me servir. Je vais le mettre dans ma trousse de voyage aussi. Honnêtement, les deux box sont canon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les deux, j'aime beaucoup. Vous savez, si vous avez suivi mon dernier vlog à dans le sud, on a fait toute une journée team PE, team professeur des écoles. On a organisé avec Laetitia des lots concours pour un peu gâter les personnes qui se sont déplacées. Et la marque Cléopâtre faisait partie des marques qui ont bien voulu participer avec nous et s'engager. Elles ont envoyé un lot pour le concours, mais elles ont été adorables. Elles ont envoyé un lot pour moi et un lot aussi pour Laetitia pour qu'on puisse découvrir leurs nouveautés. Et du coup, bah, je vous montre ça ici. Donc là, c'est un peu plus de la papeterie maîtresse ou pour vos enfants. Du gel pailleté, glitter gel avec des petits cœurs. Alors ça, c'est parfait pour la fête des mères. Donc c'est tout rose avec des petits cœurs. Donc ça, je vais voir si je vais l'utiliser avec mes élèves en classe pour la fête des mères. On verra. Des fameuses colles. Et d'ailleurs, ma fille, elle en a déjà pris un tube. Hein. Donc j'en ai pas mal dans ma classe déjà grâce à la marque Cléopâtre. Donc je suis trop contente d'en avoir là des petits lots. Ça c'est une colle. Alors ça sent plus comme avant, hein, la fameuse colle Cléopâtre, parce que c'est la colle blanche qui sent comme nos souvenirs d'antan. Mais elle ne s'écrase pas quand on l'utilise, même en appuyant. Elle est transparente. Donc si les enfants en mettent un peu partout, bah, ça se voit pas. Et elle colle fort. Donc ça, j'aime beaucoup. On nous a envoyé aussi un petit lot en version comme ça, liquide, parce que ça en classe c'est quand même super super méga pratique. Et d'ailleurs moi en classe j'ai ce genre de tube et qui est rempli par de la colle Cléopâtre aussi. Donc c'est de la colle à base d'eau, hein. Leur nouveauté c'est ces petits lots comme ça pour pareil, c'est des petits pots de gouache. Donc c'est trop sympa, ça s'utilise bah, comme les tubes de colle, hein. Vous ouvrez, vous savez les fameux tubes de colle à l'ancienne, vous ouvrez comme ça votre tube et en fait bah, ça vous fait de la peinture. Vous pouvez utiliser comme ça. Ça, c'est trop pratique, quoi. Oh, j'adore. Je trouve que le concept trop bien avec les enfants. Je vais pouvoir peindre avec mes enfants, là, pendant le long, les week-ends qu'on a à rallonge du mois de mai. C'est trop cool. Du coup, très, 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 très bien. Et à l'intérieur, ils ont même mis un petit coloriage. Je sais pas si vous verrez. Hop. Un petit coloriage pour pouvoir bah, commencer à l'utiliser. Donc ça, c'est trop cool. Je vais le faire avec mes enfants, ça. Vous allez voir ça sur Instagram. Restez connectés. Mais je trouve que l'idée est trop sympa. Et on a eu un petit lot comme ça. Donc ça s'appelle, ça c'est quoi? De la colle en poudre, tiens. La colle au bouchon orange en poudre. Donc vous avez tout le petit kit. Vous avez, ah ouais, c'est trop fort. Vous avez la petite colle en poudre. Donc c'est facile à stocker. Le petit tube pour mettre votre fameuse colle en poudre. Je suppose qu'on rajoute de l'eau ou quelque chose comme ça. De l'eau. Et hop, ça nous fait de la colle. Mais c'est trop bien ça. C'est trop bien. Ça c'est une révolution pour la classe, ça. Parce que du coup, vous avez beaucoup plus de colle, j'imagine. Là, vous pouvez faire, je pense, beaucoup plus de lots de colle pour la classe et tout. C'est hyper pratique. Trop épaté. Écoutez, j'avais vu le lot à la rencontre Team PE, mais j'avais pas fait trop attention. Mais je trouve qu'il y a des trucs trop canons. Et ma copine Laetitia, elle nous a offert pour mes enfants ces nouveautés-là de chez Bic. Elle en a reçu pas mal et elle est trop adorable. Elle en a donc donné pour mes enfants. C'est des feutres un peu vis-aquarelle, donc qui partent au lavage, hein, sachez-le, qui ne sèchent pas. Même sans capuchon, il ne sèche pas au bout d'un mois, donc c'est assez fort. Et c'est une pointe un peu comme ça, bah, sous forme de pinceau. Et ça, j'ai dit à ma fille qu'on allait tester ensemble parce que je trouve que c'est trop trop bien. D'ailleurs, il y a écrit « recommandé par les enseignants ». Donc écoutez, je vais tester et vous verrez bien si c'est recommandé par maîtresse Karine aussi ou pas du tout. Mais en tout cas, je suis merci Laetitia pour ce petit cadeau en plus. D'ailleurs, j'ai reçu aussi de la marque Yael
Ouais, c'est Yael, je crois. Je vais vous montrer, c'est une sorte de tapis de jeu avec les milieux de vie pour les enfants. Et mon fils est fan. Laetitia aussi l'a reçu. Donc ça, je vais vous le montrer parce que c'est trop trop canon. Et puis, on va aller tout de suite ouvrir la Dégustabox. Et j'espère avoir mon colis de Sephora très très vite parce que j'ai pas commandé des soupes de fou. Mais j'ai envie de le recevoir pour tester. D'ailleurs, dites-moi si vous aussi, vous avez été raisonnable ce mois-ci ou si vous avez aussi craqué sur des sites. N'hésitez pas à me dire. Moi, je suis raisonnable parce que je suis focus voyage. Économie, j'ai envie vraiment d'économiser pas mal d'argent. Je suis partie en week-end avec les filles, avec les copines dans le sud, mais on a déjà pris nos billets d'avion et notre réservation Airbnb pour partir à Barcelone. Et ça, c'était mon objectif pour l'année prochaine. Et je suis trop contente de pouvoir réaliser ce petit objectif. Mon autre objectif, c'est de pouvoir partir si possible au Sénégal. Donc, on va essayer d'allier le tout. Et voici le fameux tapis. Regardez-moi ce grand tapis. Il est superbe, la qualité d'impression est top. C'est un tapis qui résiste évidemment à l'eau, etc. Mes enfants ont joué dessus, avec même des poissons un petit peu mouillés et tout s'est passé. Et vous voyez, dans la réserve de mon fils, il y a tous ces petits animaux. Il les sort et puis après, il les place au bon endroit. Et puis, il se raconte des petites histoires entre les animaux. Ils adorent, vraiment, ils adorent. C'est vraiment trop, trop, trop sympa. Je suis trop contente de ce cadeau que la marque m'a envoyé. Et voilà, c'est déjà dans la chambre de mon fils. D'ailleurs, dans cette vidéo, on va tout de suite poser les choses. Il y aura un concours, hein. Dans cette vidéo unboxing, vous savez que je pense toujours à vous. Ça, c'est déjà un lot que je dois faire partir prochainement. Il faut juste que je fasse le tirage au sort. D'ailleurs, si je l'ai fait, je vous mettrai la gagnante sur l'écran de ce lot-là. Alors, pas ça, hein, ça c'est pour quelqu'un. Mais tout ce lot-là, je vous avais déjà fait dans une vidéo, un lot un peu surprise comme ça, concours, où je vous avais dit qu'il y a plein de choses qui allaient s'accumuler. Et là, dans cette sélection-là, je vais aussi vous prendre plein de produits et vous faire un deuxième lot. Mais ça sera dans cette vidéo-là que vous êtes en train de regarder. Il faudra mettre dans votre commentaire le hashtag ou le petit mot bonus. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme mot bonus? Vous savez, je cherche toujours un mot bonus. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ouais, le petit mot kiss, parce que je vous mettrai comme ça des ongles kiss comme ça dedans. Donc le petit mot kiss, mettez-moi ça dans votre commentaire, à la fin de votre commentaire, kiss kiss ou voilà. Et je saurai que vous participez pour ce concours. Et vous aurez, alors pas tout ça, hein, mais je vais faire le tri et je vais vous mettre encore une fois un lot comme ça, un colis avec plein de produits bonus, des petites choses dont je ne me sers pas, qui sont toutes neuves évidemment et que vous pourrez utiliser et vous pourrez profiter. Alors, notre Dégustabox du mois, quel est le thème? Le mois de mai, qu'est-ce qu'on a? Déjeuner champêtre. Oh, donc, on a de quoi faire des petits déjeuners sympas. Honnêtement, ça fait 2-3 jours qu'elle est là et j'avais hâte de l'ouvrir. D'ailleurs, des petites chips saveur tartiflette. Alors là, je ne vous dis pas, vous devez avoir une haleine au top à la fin. Mais des must-have, hein, de chez Bretz. On a du saucisson qui ne sera évidemment pas pour nous. C'est du chorizo comme ça de chez César Moroni. Version douce au piment rouge d'Espagne. Donc ça va être, je pense, pour ma copine Sarah qui va être ravie de l'avoir. Ah, trop cool! On a du jus d'orange. Dans le thème du déjeuner, c'est parfait. Joker, le jus d'orange comme ça, sans pulpe. Très bien pour toute la famille. Moi, je préfère appeler pulpe, mais les 3/4 de mes enfants aiment sans pulpe. Et mon mari aussi. Donc, très bien pour eux. C'est trop cool. Bah, écoutez, pour l'instant, pourquoi pas. Ah, mais non, c'est trop bien. On a des infusions à froid comme ça, pêche framboise. Bah, écoutez, ça, je vais tester dès aujourd'hui parce que dans une gourde avec de l'eau fraîche, ça va être canon. Et est-ce que j'ai testé celle de Lipton? Je ne sais plus. Je sais que j'en ai pas mal acheté l'année dernière. Et pêche framboise, ça me dit rien. Donc, je suis trop contente. Ça, c'est vraiment trop bien. On a, oh là là, bah ça c'est trop bien. Alors en revanche, version dark, je suis moins fan, mais bon, je vais goûter quand même. Donc des Maltesers, mais version chocolat noir. C'est bien, mais je suis un peu moins fan. Je préférerais une version normale, hein, parce que chocolat au lait, moi j'adore. Des petits goodies là comme ça, de la marque Barcliff. Des petites barres de céréales, je pense, un peu sportives. On en a 3 différentes. Au chocolat blanc, macadamia, noix de macadamia. Ouh, peanut butter crunchy, bah écoutez, faut voir les calories qu'il y a dedans, et au chocolat, donc ça c'est très sympa, j'aime bien avoir des petits trucs comme ça dans la Dégustabox. On a un petit 4/4, alors ça les enfants vont être trop contents, ils adorent le 4/4, en plus cette version là c'est sympa parce que des fois les grands 4/4, bah, quand on est 3 ou 4 ou 5, bah, ça nous dure 3-4 jours et puis après on en veut plus, mais là cette taille là je trouve ça très bien, c'est l'original, c'est le basique, donc ça c'est très 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 bien. Sans huile de palme, sans colorant, sans conservateur. Donc c'est un 200 g. Très contente. Des pâtes. Alors moi, vous le savez, j'aime bien avoir des pâtes dans la Dégustabox.
Donc là, c'est des grandes pâtes, un peu comme des spaghettis, mais un peu plus larges. Des linguinés. Je ne connais pas. Écoutez, on testera, mais ça, c'est cool. Et alors, ils nous ont mis des petits navires à gogo, là. Regardez-moi ça. On a plein de petits filets de la marque Petit Navire, avec des recettes différentes. Donc, méditerranéenne, on a quoi? Olive, citron, gingembre, huile d'olive extra... vierge extra, je vais y arriver, et huile d'olive, tomate séchée. Bah écoutez, ça c'est parfait, je trouve, pour aussi un pique-nique ou les beaux jours. Et bah qu'est-ce que j'en pense? Elle est plutôt canon cette box. Petit déjeuner, je dirais plutôt pique-nique. Ouais, une box plutôt pique-nique avec du petit déjeuner dedans, mais c'est pas non plus que petit déjeuner, il n'y a pas de brioche, etc. Il y a des trucs sympas, ouais, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Petit colis surprise qui est arrivé dans ma boîte aux lettres et c'est lié à ma fameuse rencontre Team PE du Sud. On avait des lots, comme je vous disais, à gagner et moi j'ai gagné des chaussettes du bar à chaussettes. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse, mais c'est un site internet qui propose des chaussettes différentes mais dans le même univers. Comme ça, vous n'avez pas l'air ridicule et en même temps elles sont super classe. Donc moi j'étais trop contente de gagner ce lot là parce que du coup je vais pouvoir les utiliser dans mon quotidien avec mes enfants, mais aussi pour la fameuse journée de la trisomie 21 où on doit mettre des chaussettes différentes. Donc là c'est des chaussettes par exemple que ma fille elle a choisi sur l'univers des licornes, mais elles sont toutes les deux différentes mais dans le même univers. Mon fils Oran a choisi des chaussettes crocodile comme ça, et pareil elles sont pas exactement pareilles mais dans l'univers du crocodile, et moi j'ai choisi celle-ci avec des petites plumes là comme ça. J'ai trouvé trop sympa, trop cosy. D'ailleurs la quali sont trop bien. Et sachez pour info, je sais pas si vous connaissez ce site hein. Hop, je vous montre ici barre aux chaussettes, hop, le bar à chaussettes plutôt, et c'est de Lille du Nord. Donc je suis très contente d'avoir gagné ce petit lot là et je voulais le montrer dans cette vidéo unboxing puisque vraiment je viens juste de recevoir le colis aujourd'hui. Je vais pouvoir finaliser cette vidéo unboxing avec mon fameux colis dont je vous parlais, Sephora. J'ai pas acheté grand chose et j'ai reçu entre temps le colis de Nuo. Donc on va commencer par Sephora. J'ai pré-ouvert, enfin ouais, j'avais pré-ouvert mais on dirait pas. Et j'ai commandé seulement un petit produit, il y avait un petit code de moins 25%, il y avait une trousse offerte. C'est pas pour la trousse que je l'ai achetée, mais ma foi elle est grande, je la voyais vraiment toute petite. Hein. Donc c'est une grande trousse comme ça avec écrit simplement Sephora. Donc, je sais pas si je la garderai, je la mettrai dans un concours sûrement. Comme je vous ai dit, il y a des petits concours qui se cachent par-ci par-là. Donc peut-être que je la rajouterai dans le concours. Et moi je me suis pris juste ce petit lip baume brillant pour les lèvres, hein, Lip Glowy Balm à la pêche de chez La Neige. J'aime énormément le pot La Neige que j'utilise tous les soirs. Et écoutez, ça c'est une nouveauté sous format comme ça de petits sticks. Et alors attendez, on voit comment ça se présente. Ah ouais, c'est un format comme ça, vous savez, un peu de travers là, pour pouvoir étaler sur les lèvres. J'espère qu'il est aussi efficace que celui que je mets tous les soirs, parce que c'est vraiment un baume que j'aime énormément. Je voulais le basique, je crois c'est aux fruits rouges, le rose, mais il n'y en avait plus, il était en rupture de stock. Et du coup, je me suis dit, le pêche, on va tester. En tout cas, on va tester et je vous en reparlerai dans des favoris ou des flops, c'est tout. Alors, il m'avait fait un gros carton pour juste ça. Hein. Et dans la box Nuo, vous savez, le site Nuo fait des box aussi beauté. Et je les reçois de temps en temps depuis quelques mois, donc je suis contente. Et je découvre des petits produits. Elle est pas mal lourde. Donc ça se présente comme ça à l'intérieur, c'est un site où il n'y a que des produits bio, naturels, etc. Vous trouvez vraiment des pépites sur ce site. D'ailleurs vous trouvez toute ma routine et secrets de Loli et il faut que je passe une commande pour moi et Laetitia. Donc ça ne serait tardé. On a une petite carte comme ça, très estivale. Le petit catalogue qui nous donne un petit peu toutes les nouveautés que vous retrouvez sur le site Nuo, les petites choses que vous pouvez voir sur le site. Mais ça ne parle pas forcément que des produits que vous avez dans la box. Et là, dans la box, ah bah tiens, on a un produit Madara. C'est une fameuse marque de fond de teint, etc. Bio. Et j'ai reçu un échantillon du fond de teint que j'ai pas encore testé. Et là, on a la crème éclat vitamine C. Donc ça, c'est pas mal du tout. C'est un format qui est quand même de 15 ml qui permettra d'être utilisé pendant l'été. Pourquoi pas 100% recyclé. D'ailleurs, le tube éco-certifié, organic skincare, enfin soin bio. Waouh, trop bien! On a un produit, la canopée, et c'est un grand format, ça je pense que c'est un full size. Et 100% d'origine naturelle, c'est à base de Neroli. Sur une peau nettoyée, appliquez quelques gouttes pures sur le visage et le décolleté
ou en mélangeant à votre crème. Dosez en fonction de la teinte ensoleillée que vous souhaitez obtenir et attention aux vêtements clairs. Donc c'est une sorte de tuile teintée comme ça qui va vous donner un petit teint allé, je pense. Donc un sérum concentré de soleil. Et ça, je suis trop contente parce que ça va faire du bien à la peau. C'est trop bien ça. Une petite mousse nettoyante flash éclat. 100% d'origine naturelle de la marque Novo Expert. Ça, c'est une marque que j'ai déjà testée, que j'avais aimée, mais j'ai jamais testé ce format mousse. Donc c'est très cool. Et je ne savais pas que c'était une marque clean. Bah ouais, 100% d'origine naturelle et vegan, tiens. Écoutez, on découvre des choses. Et en ce moment, les petits formats de mousse, j'aime bien pour me nettoyer le visage. Donc j'en donne à ma copine Laetitia, mais j'en garde aussi pour moi. Et on a pour finir de la marque Dr. Oshka, qui est une marque qui coûte un bras. Une lotion tonifiante en édition limitée, tiens. C'est trop cool. Bah écoutez, je la trouve plutôt canon cette box là pour terminer cette vidéo. Regardez ce petit format, enfin petit 30 ml, donc un format tout à fait normal. On va dire un petit format quand même pour une lotion. Et c'est une lotion en forme de pchit comme ça, en toner. Bah ça c'est cool, ça donne un peu de d'éclat, je pense, à la peau et de tonicité aussi à la peau. Donc à tester. J'aime bien les lotions toniques, hein, c'est ce que j'utilise le soir avant de mettre mes soins. Donc écoutez, bah, ma foi, c'est un sans faute pour cette box nouveau. Voilà pour mon unboxing du jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dès maintenant à la liker, à vous abonner, à rajouter le fameux petit mot bonus. Je crois que c'était Kiss, hein, si je me souviens bien, parce que comme j'ai fait cette vidéo en deux parties, pour gagner justement le fameux lot concours avec, je pense que je vais rajouter cette belle trousse Sephora dedans pour vous, parce que j'ai des trousses à revendre et ça pourra faire plaisir à l'un ou l'une d'entre vous. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. On n'hésite pas, donc comme je vous l'ai dit, à liker cette vidéo, à s'abonner et puis on se retrouvera potentiellement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Salut !